Bonjour mes petits camarades. Aujourd'hui, il fait beau. Enfin, il fait beau. Oui, il fait beau. Il y a du soleil. Il est 8h30 du matin. Et là, je pars faire un petit tour vers les hommes de Meuse. Voilà, ça grimpe un peu modérément, on va dire, jusqu'ici. Non, et puis là, on a une éclaircie. Un petit plateau, joli petit chemin, bien sympathique. Et mais putain, nom de Dieu, c'est quoi, c'est des chars russes qui sont passés par là ou quoi? C'est quoi ce bordel là, là je reconnais plus ce coin là. Putain, ils m'ont tout bousillé. Mais c'est pas possible ça. C'est encore les forestiers qui ont fait ça. Punaise. C'était un si beau petit chemin ça avant. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Là, je suis parti de l'abbaye de Notre-Dame de la Consolation, mais ici, c'est plutôt la désolation. Oh là 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 là. Et ben, tu marches quasiment un kilomètre là. Et les traces des engins forestiers partent par là. Et moi, mon sentier, ben, je le retrouve. Il est par là. Ils ont quand même pas tout esquinté. Donc voilà, 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 on arrive à la clôture du parc à sangliers. Donc chien tenu en laisse, merci, mais j'en ai pas moi. Le cheval de bois, clôture électrique, le cheval de bois, bah, le cheval de bois, il est en fer. Elle... Et voilà, 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 le parc à sangliers, faut redescendre par là. Et puis en plus, les marches sont pas droites. Hein. Et les dames de Meuse, bah, c'est écrit dessus. Hein. Donc faut continuer par là. Donc il faut suivre, en principe, ce fléchage là. On marchait le long de la clôture. Et là, on entend un petit ruisseau. C'est bien sympathique. Hein, donc ça, c'est plus un large chemin emprunté par des engins ou des 4x4 avec des postes de chasse. Comme c'est un parc à sangliers, ça porte bien son nom. Voilà la fameuse route. Pour estirer, et au bout là-bas, il faudra tourner à gauche. Alors là, à droite, vous retournez sur Enchamps. Là-bas, sur le premier arbre, à droite, vous retournez sur Les Masures. Et à gauche, vous allez vers les Dames de Meuse. Et c'est indiqué sur le premier gros chêne. Vous voyez qu'ici, le chemin est sympa quand même. Hein. Alors ici, pas besoin de motoculteurs. Hein. Comme c'est le parc à sangliers, bah, ils s'en donnent à cœur joint. Hein. Ils retournent la terre, ils bouffent bah, tout ce qu'il y a dedans, des racines, des vers, des machins, des glands, des trucs de l'année passée. Et tout est bon pour eux. Puis en ce moment, bah, il y a des myrtilles. Voilà, ils sont heureux ici. Hein. Là, on trouve notre petit sentier forestier. Et là, bah, on est arrivé à cette passerelle qui vous permet de sortir du parc à sangliers. Et à côté de la passerelle, à gauche, il y a une pancarte. Vous êtes aux Dames de Meuse. Du site des Dames de Meuse. Voilà. Alors voilà où je vais casser la croûte. Hein. Regardez comme c'est beau. Les Dames de Meuse. Regardez-moi ce site, comme il est magnifique. Le mec qui fait un feu là-bas, je sais pas où. On entend là, c'est le barrage hein, en bas. Là, vous voyez le barrage en bas là. Là, je suis très près du bord. Hein. Faire attention. Voilà la boucle de maison. On voit qu'il y a un bateau qui arrive là, tu vois. Et le village là-bas,
Et bien c'est les fours. J'ai le petit bateau sur la Meuse. Je continue un petit peu par là. Joli petit sentier. Regardez-moi ça. Une carte postale en bas. À part moi, il n'y a pas de courageux. Hein. Il fait beau pourtant, je comprends pas. Ça a toujours été un mystère pour moi. Regarde mon Jean-Noël, les belles formations nuageuses. Comme tu as toujours la tête dans les nuages parce que tu les aimes, regarde ceux-là s'ils sont pas beaux. Alors, aujourd'hui, bah, j'ai ma flotte. Enfin. Voilà. Alors, j'ai pris un truc. Comme je sais qu'il allait faire chaud, j'ai préféré prendre une pochette qui garde le froid. Alors, ça c'est des petits brownies, deux petits brownies au chocolat, aux pépites de chocolat, je mange chocolat. Alors, mon Jean-Noël, il faut que tu essayes ça, parce que ça, c'est quand même quelque chose. Tu sais qu'on mange toujours notre pâté énaf quand on s'en va casser la croûte tous les deux avec de l'échalote, mais là, le pâté énaf, oignon et petit lardon. Et tu vas trouver ça, à mon avis, dans ton Intermarché. Tu vois? Voilà. Alors ça, moi je connais, c'est quelque chose. Et puis ben, j'ai pris du fromage que t'es pratique à emmener. Voilà. Donc je fais pas de pub, mais il est pratique à emmener, il est emballé. Et puis il reste dans ma poche froide. Voilà, ça sera pour la fin du repas. Avec les petits moelleux au chocolat, je vais les remettre dedans. Pour garder ça au frais, les copains, parce que là, ça commence à cogner. Hein. Enfin, à cogner. La température commence à monter. Je vais mettre ça là. Bon. Alors. Mon Jean Nono. Faut que je t'emmène là. Tu verras que t'as déjà fait, toi, les dames de Meuse, mais tu t'es tapé avec ton putain de vélo, là. Et là, moi, je te proposerai un circuit beaucoup plus facile. Beaucoup plus sympa. Peut-être un peu plus long, parce que moi, je fais des détours, des contours, et des tours de con. Tu me connais. Parce qu'il faut que je marche. Mais voilà. Ça. Enaf, oignon lardon. Une tuerie, mon pote. T'entends les oiseaux. T'entends le fleuve grâce au barrage. Parce que ce fleuve, bah il vit, hein. Ici, t'es peinard. T'es pas dérangé par les voisins. En même temps. T'as pas 50 000 chemins pour venir ici, hein. Ou tu grimpes, comme je le fais souvent par les fours, tu sais bien que ça grimpe comme ça. Ou tu passes par l'abbaye.
Mais il faut passer dans le parc à sangliers. C'est pas eux qui vont me déranger. Voilà. Mon grand bonheur est d'être là.